Khalifa newon na la lu jigen man rek jamono ji ni gor yang koy jëm buñ ko manul sax ma fekk fi ki nga xamne moy chef de cuisine bi ma war ko tendre micro de la révolution numérique en tant que ndaw en tant que jeune assalamu alaykum señ bi bonjour alaykum salam wa rahmatullah basir ngom empreinte de cuisine geedjaway sedab ci bu geedjaway fofu la nek en même temps père éducateur ñu ñëwon fi tay fuñjuñ am fi 72 heures kon c'est normal que ñu jox ñu li nga xamanteni mo jëm ci walum dundu bi ci lool lañ nek ni ak sama mama Aïssa grand lay ak sama jigen bu ñaawul bi taw yu bari xamuñu lan moy métier cuisine parce que dañ ko ñaakal fayda buñ la déggé sax nga nek goor ñu gis la nga diko def ñu na ay goor nan lay toggé alors que lool du yef yi xam xam dafa wara sel té manum dundin dafa nek lo xamanteni indi bi alimentation nit daf ko wara xol nit da nga wara saytu li nga xamanteni moy su dundi li nga wara lek war nga xam li ngay lek lan la wara doon newul ñam bu jog dang ko wara mëna duggal sa biir parce que sa biir waru du lek tout la ñam tout temps war nga xam qualité ñam yi ngay lek fourri et tout ndax du ki yep ñoko nangu parce que amna façon ñam yo xamanteni boko lekke day allergie sa yaram donc nga suma la deugue bu baax ngay conseiller ndaw yi ñu def li nga xamne moy entrepreneuriat dugg ci métier yi nga xamne ce sont des métiers d'avenir té yaakar naane jamono gi ni soxla nañu ko lool parce que nit ku ne bu xeye dina lek té wara lek aussi lu sel loy conseiller jeune yi pour ñu gor gor ci walu entrepreneuriat bi wa parce que nit ku nek ñaar war nga ñaan yalla def formation yo xamanteni ni dalay permettre suba nga mëna yor sa bop yor sa famille yor lenen ak lenen am ay entreprise comme ni ko waxe fasiyene ko taxawal and ko ak say nawle comme niñ la formé ba nga don dara nga fasiyene formé ay say morom ñu don dara ñi continuer aussi ñu sétat yenen jeune yi nga xamné ñu ngi ci biir fi donc Khalifa ma bëgg rek nga top ma and ak man ñu xol ndaw yi ñom luñu nekk di def fi ni voilà donc ñew nañ fekk fi ay ndaw yi nga xamné ñom aussi ñu ngi ci benen thème wala ñu ngi ci benn thème bi diko exploiter donc duñu def dara loolu tendre len suñu micro ñu jema waxtane yo assalamu alaykum madame malik man ma ngi tuddu Bambi Diam joggé ci cellule Birkalane nek sen secrétaire général ñu ñew fi ci rencontre bu ñu wax 72 heures rampage national liñu fi indi moy déjà fekk nga liñuy def di def ay simulation parce que dañu wara génn pour def ay activités fi dañ fi ñew comme étant ay élève suma waxé ay élève nak nekuñ ay élève yo xamné dañ fi ñew élève mais dañu may wax comme étant élève parce que dañ fay jang ci après dañuy pratiquer déjà dañu fekk ñu nekk ci ben simulation bo xamanteni ni ñuy défé causerie la parce que vu que né peut-être cellule yi amna ño xamanteni maîtriser wuñ ñuy défé VAD amna ño xamné maîtriser wuñ ñuy défé mobilisation sociale ñuy continuer du continuer motax day baax ñu ñëw fi étant père éducateur dajé au niveau rampage national pour wax naka lañuy défé li de ce fait ñun buñ démé ci sun local yi lu mel non dootu ñu jaaxa ñaarël ba ci dess di wax di jàngalé walé entre nous nan lañuy remplir les fichiers parce que da ci am solo tay buñ la joxé causerie wala ñu jox la VAD wala ngeen def ben mobilisation sociale ñu jox le fiche bo xamné boko remplir peut-être yow boko joxé wala projet bi koy financer wala et autres yow ñom duñ dañuy am problème sax comprendre yow li nga def lan la doon motax señ bi nga fekk ñu ci li ñuy def ni muy jàngalé wante entre ñun expliquer wante entre ñun étant père nga xamanteni amul rousse yaakar na né lool mo ñu fi indi té ci lool nga ñu fekk d'abord dañ ñoo fekk ci ben cercle bo xamanteni ci dañuy def rek comme simulation en tant que buñ waré génn parce que dafa am liggéey bu ñuy xaar tam ci biti fam liguey bu ñuy xaar ci biti ñu wara def ay causerie ci biti kon baax na ñu ni neen ñu waxalante parce que fi nak ya pa mel de personnes yo xamanteni mën nañ def causerie mais tamit vu que na fi moy fu ñuñ fekk nañ fi ay père yo xamanteni mën nañ def causerie parce que ñom complexé wuñ pour wax ko tamit expliquer nañ ko bam leer ñu lolu occasion la ñun tamit pour ñu expliquer len ba buñu génné buñu am ben difficulté ci biti pour buñu génné buñu am ben difficulté kon gis nañ né vraiment li ndaw yi nekk di def amna solo mais waxon nañu lé toujours comme nous l'avons toujours dit nous l'avons toujours fait avec vous la RNTV votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal est toujours avec les jeunes nous sommes toujours accrochés aux missions décernées à ces jeunes donc sans plus tarder nous allons donner notre micro à un autre père éducateur pour qu'il puisse nous dire l'essence et la quintessence de ce qu'il est en train de faire. Salam alaykoum señ bi. Bonjour. Maalaykoum salam señ bi ñu ngi lay nuyu.
di la ziaré bu baakha baax. Man maangi tuddu Diokel Faye, nek père éducateur cellule Gossas. Donc di rafetlu waxtan bi nga xamantene manam mom nga ma poser question. Tay dañu dajé fi nga xamantene mom moy département wu Foundiougne bok ci région Fatick. Donc ñu nek ay ndaw di dajé fi presque au niveau national. Ñepp téw nañ fi tay pour li nga xamantene manam mom moy liggéey bi ñu nga xamantene manam mom lañuy xaar ci ñun. Tay nak da ngeen ñoo fekk ci li nga xamantene manam mooy présentation activité ñu wara def ñuy def simulation pour ñi nga xamantene xeyna jissé nañu xam am apprécié ci li nga xamantene mooy VAD causeur yi visite à VAD causeur mobilisation sociale mooy activité yi nga xamantene mooy activité pour changement de comportement bi nga xam mom lañ soxla ci askan wi tay mom ngeen ñu fekk ñuy def ni donc buñu paré wé dinañu jog and ak ndaw yi nga xam ñoo fi dajé tay dugg ci biir gox goxanu Foundiougne yi waxtaan ak ñom ci li nga xamantene manam mom moy thème biñ ñu jox moy violence faite au basé sur le genre donc moy thème bi nga xam mom lañ bëgg waxtane tay ci askanu Foundiougne bi. Merci beaucoup Ndioko Ndial monsieur Joker et comme beaucoup au lay fo fogolé andone den nan lo xang na RN TV au laye den au laye mbopné ke kené jëg na solo né refna na kenu bi a mené ray waay ñu simna fop ziaré a ñunu fop simna mbop ni ana denxatu mené fo wa Foundiougne fop layaye xey gay nga roy mené pour ke ref na père éducateur gen Sénégal fop anxati doy méké pour xar pour mbaxtan fo way ana den def wa Foundiougne no xar no waxtan lena layele manam manam met dom nena fiel no doomu adama ten taxu inga roy mené xey pour mbaxtan fo wa Foundiougne solo fek ndefu yeten trefu pour yoko winwe lala den ke refna ando na den defu ke warna jek digante okine fo okine manam doomu adama comme ne ki na lay dan te xay tem len i aborder wu yo pour mbaxtan fa den a paax pour yoko den tarefu ma ko xey tarefu ndiajo ngay xaye ten tax invocateur roy meke pour ñal tadik pour mbaxtan fo wa Foundiougne donc vraiment ken rek ki anote bugu mu waten wu andu na xaye waxay mene rek waxay ken yi tewlu wi na paax yam xana jek o njirign ci soxa nga no sate fe wa inshallah Ndioko Ndial Joker inwe Ndioko Ndial à nous. Donc on va tout simplement passer, aller voir d'autres jeunes. Nous, comme nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours fait avec vous. Là c'est la RNTV, c'est votre première chaîne de la révolution numérique. Donc nous allons tendre notre micro à d'autres jeunes pour qu'ils puissent nous dire quelle est l'importance, l'essence et la quintessence de ce qu'ils sont en train de faire. Donc je suis devant un autre monsieur. Bonjour, assalamu alaikum Sengbi. Je suis Amadou Ba, plus connu sous le nom de Ali Ba. Je suis père éducateur de la cellule de Louga. Donc je suis aussi le chargé de la formation au niveau national pour le RAMPES. En fait, donc, le seul conseil c'est de travailler, de continuer à travailler, de continuer à se former, à s'auto-former pour que la sensibilisation puisse être un maillon pour la connaissance et le développement social de tous les Sénégalais. Merci beaucoup, Monsieur Ba, et nous vous souhaitons bon séjour. Mais nous devons entrer à Yimbehal pour la Renfouf, Sénégal Renfouf, vers le Ligo, vers le Bandakondou, Haboto et Adunao, pour nous réussir, en tout cas, en quelque sorte, notre vie. Et c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Adjara, Miweltinima, Tcherno. Voilà, donc Khalifa, toujours, nous allons continuer, essayer de tendre notre micro à des jeunes. Voilà, nous sommes devant un autre monsieur, lui aussi, il va nous dire l'essence et la quintessence de ce qu'il est en train de faire ici. Donc bonjour, salam alaikum, monsieur, bonjour, nom et prénom. Alaikum salam, bon, mangi tudu Mor Ndiaye, dek nek jite cellule père éducateur de Koungheul. Merci beaucoup, monsieur Mor. Et aujourd'hui, vous êtes là au niveau de Foundiougne. Quelle est l'importance de ce que vous êtes en train de faire? Oui, merci. Donc, pour répondre à cette question, la question que tu viens me poser, c'est une question tellement importante. Parce que depuis que j'ai participé à ces activités 72 heures, je vois que c'est important. Donc, l'activité, donc, nous sommes là aujourd'hui pour essayer de descendre sur le terrain, pour parler, pour essayer de sensibiliser la population foundiougnoise afin d'apporter quelques connaissances sur ça. Mais c'est important.
mais c'est important. Mais Moussé Ndiaye, quels sont les conseils que vous donnez à cette jeunesse, à cette génération qui est, qu'on parle de génération digitale ou bien génération numérique? Oui, donc la question que je vais vous donner à ces jeunes-là, pour leur dire que nous sommes dans un monde, nous sommes au 21e siècle. Donc nous sommes au 21e siècle, donc tout a changé. Donc je les incite à rejoindre le monde informatique, surtout la communication digitale, parce qu'elle est très, importante. Parce que actuellement, donc, si vous ne pouvez pas faire communiquer donc, d'une manière digitalement, donc, ça peut amener des freins dans ta vie. Donc c'est la raison pour laquelle je les incite, je les conseille à embrasser la vie informatique sur la communication digitale, donc pour pouvoir progresser, pour persévérer dans la vie, pour gagner leur vie aussi. Pour persévérer dans la vie, donc le numérique et le digital est indispensable. Donc merci beaucoup M. Ndiaye, et nous allons tendre aussi toujours notre micro à une autre dame. Moi, c'est la première fois que je suis venu à l'activité de 1072 euros rampés. C'est la première fois que j'ai participé ici, mais c'est très important parce que ça nous permet de découvrir que c'est mon père éducateur et une opportunité que nous avons. Oh, ouais, tay bama la féké fi né nga yaangi doora ñew tay, mais est-ce que yow avant activité bi danone nga génn et ba nga commencé fréquenter li boudé ñaari fan la aussi amna lum la jural lan moy ndëriñ bi nga xamné mom la jural té nga war ko transmettre ñi nga xamné ñoy say rak ak say mag say nijaay ñi nga xamné ño janno ak yow fi ci la RNTV. Ouais, avant activité bi ni da na participé ci ay activité yu bari ci sama jour mi gëdjo way. Au niveau du CCA Pikin Gueye Diawaye, de def ay sensibilisation causerie, mais comme genn bi ni mu ngi soga am tay di sensibiliser sama morom aussi pour buñu mëne amé genre opportunité yi ñu mën ko saisir, parce que c'est très important dal de participer ci activité yi di ci am ay ouverture xam xam yu bari. Jerejef ñu ngi lay gëreum benen yoon di la sante bu baax. Donc toujours Khalifa, nous allons continuer faire le tour des salles qui sont là aujourd'hui ici à Foundiougne. Sans plus tarder, nous allons rejoindre d'autres salles. Donc comme nous ñu leen koy faral di défalé sa sunu rek, ñu ngi tay fi nga xamné moy Foundiougne ñew sét ci ndaw yi nga xamné ñom ñoo fi né organiser lu am solo, lu ama am solo li nga xamné wax dëgg fa Yalla ndaw yi nga xamné ñoo jotta jël micro bi buñu waxé rek sa yaram day daw. Da ngay xamné ndaw yi soxla nañu liggéey, ndaw yi soxla nañu li nga xamné moy éducation, té ñom no lañ nekk di def, xaruñ ci kenn, ñu ngi koy def. Ñu ngi leen di jaajeufalat benen yoon bu baaxa baax baax, ñu continuer xol yenen sali lan lañ nekk. Donc chers téléspectateurs, nous allons toujours continuer les interviews. Donc nous allons essayer de voir aussi ces jeunes qui sont de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc comme ñu leen ko faral di waxé rek, dañuy duggar fi aussi xol lan la ndaw yi nekk di def, parce que ñi jotta wax amna solo lol. Ñu ngi fi ni gis ngeen fi témen benen cercle lañ fi fekk nañ fi ay ndaw yi nga xamne ñu ngi tok di waxtaan. Donc ñu tan ci kenn rek dal di ko tendre suñu micro mu wax ñu solo li nga xamne mom la nekk di def fi. Salam alaykoum señ bi, yaangi en direct sur la RNT. Salam alaykoum, man ma ngi tuddu Pape Abdoulaye Ba, de père éducateur au niveau de Saint-Louis, espace de Saint-Louis. Donc mo jige Saint-Louis tay ñew fi ci Foundiougne. Nous avons fait 72 heures nationales de réseau national des éducateurs pères du Sénégal. Donc, comme nous avons dit, nous avons un focus group pour préparer ce nouveau petit atelier d'échange pour préparer VAD qui est demain sur le terrain. Là, c'est groupe 9. Donc, nous avons discuté sur le bon thème que nous avons fait. Parce que, comme on a l'habitude de faire chaque année, nous avons fait le bon thème, soit le bon quartier. Et entre jeunes, entre pères éducateurs et éducatrices, on discute sur un thème intéressant là, par rapport à la zone de l'Oumoulad. Parce que comme nous disons, les membres du groupe, il y a deux femmes, elles sont de Foundiougne. Elles font partie du club de jeunes filles. Donc aussi, nous avons parlé de son nom de la zone. Parce qu'on parle de centre de la répression. Quand on parle de centre de la répression, forcément, il y aura des thèmes qui vont toucher une zone. Donc, nous avons parlé sur la grossesse précoce. La zone qui est la plus grande.
Nous, en tant que père éducateur, mais en tant que jeune, on va discuter pour apporter des solutions par rapport à ce problème-là. Donc, c'est là où on est discuté. Apporter des solutions à cela, et vous me comprendrez, solo ce que vous savez, c'est VAD, nous pouvons tout dire sur Wolof, ce que vous savez, c'est tant que nous sommes. Donc, si nous faisons solo ce que vous savez, c'est ce que vous savez, l'information que vous donnez, c'est ce que vous savez, c'est ce que wa information bi ñu fassiyene waxtane ñi nga xamne moy population bu fuñjun bi moy ñu lan grossesse précoce moy manam ëmbugu tel tak xalé bi amna yenn âge yo xam bu fa tollé manam entre fuk atak ben fuk atak ñaar fuk atak ñet fuk atak ñend ba juroom ben xalé bi su jëlé ëmb mën na am ay jafé jafé yo xamne mën na ko ci indil légui jafé jafé yoy nak lañ fassiyene waxtane nak suñu ay morom ndaw mais aussi waxtane sek parents yi xamal leen ni xalé bi âge bi bu tollé won ñu ko maye musay wala aussi wala xalé bi aussi ci bobu ñu xamal ko âge bi bo stolé da nga wara maytu ba li nga xamne do ci jëlé li nga xamne moy ëmb. Assalamualaikum salam, moi c'est Mariam Adélise Mansal, je viens de Dakar, père éducatrice de Dakar. Bon, on est là aujourd'hui à Foundiougne pour sensibiliser les jeunes qu'on a trouvés ici à Foundiougne. J'aime leen expliquer les conséquences et les solutions, les causes de la violence précoce et tout. Vu qu'il y a beaucoup de grossesses ici, on a trouvé des jeunes de Foundiougne. On les a demandé quels sont les impacts ici à Foundiougne. Et ils nous ont dit que grossesse précoce, mo fi gëna am impact et tout. Tay ci loolu lañ bëggono waxtaan et tout. On est là, ñun ñëpp ku ci nekk joxé nga sa idée, li nga xalaat ak li nga xamné loolu moy solution bi buñ ko waxé, dinañ mëna jappalé jeune yi ku ci nekk nga mëna moytu. En plus, sensibiliser les parents parce que grossesse, parents yi amnañ ci part de responsabilité en tant que ndaw ñu nga joggé ba Dakar ñoo wara dajé ak say morom ndaw fi nga xamné moy Foundiougne bayi sa lepp ñew lolu lu rafet la lan ngay wax sa moromu jigéen yi juste pour les dire que à un certain âge xalé da ngay muytu lu bari parce que bo amé à l'âge de 10 ans 13 ans ba 17 ans li nga na focus dans ta vie c'est apprendre pour réussir suba dans la vie amna li nga xamantene du trop tard et tout bo parce que eumbe boko télé jël à l'âge de 12 ans 13 ans d'aller impact day yaq lu bari ci sa carrière et tout ci sa vie mën na la andil ay conséquences yi nga xamantene durant toute ta vie da ngay nek ci ay problèmes et di len conseiller que ñun ñep ñu muy man ak kenen ak kenen que on fasse très attention xam nu ñuy def ay moytu en plus ñu ngi lay jaajeufal benen yoon bu baax merci beaucoup donc Khalifa ñu continue rek ci benen groupe bi nga xamne ñom la gis nele ñom ñu ngi beru nek fofu non parce que li ñuy waxtane warna am solo assalamu alaykum papis wa alaykum salam voilà ñu ngi la fekk tay ngay waxtane ak ay ndaw di ay jigen lan ngay waxtane ak ñom ak aussi lan moy solo li nga xamne mom ngeen nek di def ak ban gox nga joge ñew fi tay ok ma ngi tuddu papis koli joge région de Kaffrine département Koungheul. Donc dañu néwon paré ak sun coin de groupe ñu nekk di waxtaan ak di échanger ci ben thème bu am solo muy mariage précoce ci lañ nekk di wax ak grossesse précoce yi donc ci lañ nekkon di développer ni di ci échanger ci lu am solo wax deug fa yalla bu ñu waxé mariage précoce c'est-à-dire moy téla sey ak téla ëmb téla jël ëmb légui lolu lan nga ci mëna wax ndaw yi lan nga leen ci wax wa lima leen ci mëna sensibiliser moy justement grossesse précoce dafa bari légui liko waral moy manque de sensibilisation concernant famille dafa am auparavant lu parents yi doon dundu té légui ñun mom lañ manqué moy parents dafa war di waxtaan ak domam di partager ak mom diko xamal jamono ji nga xamné jigen bi man na jigen ku goor ki tamit man na goor donc boy échanger ak mom dina xam yu bari yo xamné dina ko moytu mais bo amul échange bobu amul culture bobu donc du am ben connaissance pour mak nax ko ki nga xamné moko mak ñëk ko ci aduna daf koy mëna nax ba mo koy duggal ci grossesse précoce yoyu comme tay lima ci mëna joxé exemple moy da ngay gis nit xamul dara mu nekk ak ben copain bo xamné moko mak ëpp ko esprit donc mën nako nax diko wax lo yo xamné wala diko def lo xamné du ajam wala du cultuream wala du religion
Donc yoy moy problème ni papis yakarna ne lolou aussi day bok ci li nga xamne day enfreindre li nga xamne moy entrepreneuriat bi ndaw yi nga xamne war nañu entreprendre créer seni entreprise bob donc téla jël eumb wala téla sey ak yoy nonu meun na len yakal sen jang ak sen formation oui bien sûr parce que comme ni ko waxé ci téla sey bi da ngay gis ku nek di jang ñu bëgg ko may jëkkeur limay wax toujours jang ak sey andul parce que tay jang mo fiir donc mën ta and ak len munuma comprendre ki nek à l'école nek primaire exemple di def sem 1 wala sem 2 nga bu ko may jëkkeur koku nan la mëne top jangam ak jëkkeuram dem ba commencer am dom ku bëgga top jangam ak jëkkeuram est-ce que koku dina ag collège bay ag lycée wala bay xalat dem université wala di réussir ci ay étudiam pour dimbalé parents des fois li duggal gaay ci mariage précoce li ci ëpp pauvreté la mais nak lan moy yakamti de olof ndial fa am lu wax di nga ko nan pot robinet dañe ku nan ku de marata mar taxa nan potit bu robinet ubé nga rous donc li waral lol moy carrément que né lo yakamti yakamti ndax am am xalé bi tay mën na jang ba réussir dans sa vie après mën na la yor yow parent bi yor la lo xamné jëkkeur joju nga ko may sax mënu la ko yor parce que tamit sa dom loko may may ndax alal bala mo la lijeenti sa dom bi ngi may lay lijeenti mais mënul yor njabotam yor wajuram ba paré yow bëgg la yor yow wajuro soxnam donc c'est impossible donc concentré ci sa dom bayiko mu réussir sa vie ba paré dem teki mën la jëriñ jëriñ bopam jëriñ entourage mo ëpp ci solo je m'appelle Matigay je suis père éducatrice je suis la trésorière la cellule départementale de Gossas. Merci beaucoup madame tay ñu fekk leen fi nga xamné vous êtes là au niveau de Foundiougne qu'est-ce que vous êtes en train de faire l'essence et la quintessence de ce que vous êtes en train de faire waaw comme niñ ko waxé rek dañu ñëwone fi ben 72 heures ak les pères éducateurs madame nationale képp ko xamanteni yaangi nekk fi ci Sénégal nekk père éducateur ñu dajé fi ben 72 heures ñëw waxtané li nga xamanteni moy mariage précoce ak li nga xamanteni moy grossesse précoce ak violence faite aux femmes et aux filles légi lolu ban ngeriñ la war ban impact nga yakarne warna ko am ci société bi waaw impact bi meuna am moy lim meuna am ci impact bari na parce que tay bo xolé société bi dafa yaqku tellement que bo xolé tay ji tay la majeure partie des jeunes dañu am problème bi liko andi moy tay ji tay da ngay gis jeune bo xamanteni ni peut-être ay param dañ ko baye su fekke ne dafa dugg ci ay détails yo xamanteni do comprendre lu ci melne grossesse précoce dañ lay dal di geler dal lay jël baye la tek la feulé comme ñun ñi nga xamanteni donc ñun ño doon ay père éducateur dañu am ci walu bo xamanteni dañ ci wara dox ba li nga xamanteni moy société bi mën ci gis seen bop li nga xamanteni moy père éducateur seen rôle ci Sénégal il y a un père éducateur aussi nous allons lui tendre notre micro de la RNTV votre première chaîne de la révolution numérique on vous a toujours dit la révolution numérique est là pour la jeunesse, donc vous, la jeunesse, révolution numérique, Kepa Rundawi. Donc, salam alaikum. Malaikum salam, Sengbi. Je suis Mamadou Lamine Silla, je suis père éducateur au niveau du CCA de Rifisk. Mamadou, nous faisons que le fils que vous connaissez, Mamadou Founioune, nous avons dit qu'il y a des gens qui nous ont dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Et quelle est l'importance de ce que vous êtes en train de faire? Bon, ça a beaucoup d'importance parce que nous faisons que nous un atelier, nous parlons un peu sur les violences faites aux filles. Si nous parlons de violences faites aux filles aussi, on a toujours tendance à dire mariage d'enfants, grossesse précoce, mais aussi mutilation génitale féminine. Tay buñu waxé ci li buñu waxtané tout rek ci li ngéni wax ni dañuy faral di gis avec l'évolution des TIC c'est-à-dire de la technologie ndaw yi am nañ benen façon ngou yarine lan nga mëna wax ci lolu ci l'évolution des nouvelles technologies bon waxtaan nañ ci bu baax té aussi y a vraiment un grand impact bi nga xamantene les nouvelles technologies am nañ ko mais tay notre mission en tant que père éducateur mais aussi li ñu dajalé fi aujourd'hui ci Rampes bi ak 72 heures c'est un peu pour djémo xol nan lañuy waxtané ba mëna yok la sensibilisation mais aussi yok l'information bi nga xamantene nos jeunes frères et jeunes sœurs dinañ ko mëna xam sur les violences faites aux filles mariage d'enfants grossesse précoce nan lañuy fexé bob moy tourne yoy yep pour moy tangé ko ñun lolu yep RNTV mu ngi leen di jajjeufal di leen encourager ci liguey bi nga xamné mom ngeen nekk di def parce que ñun suñu mission la cette mission la mo waral tay suñu tank néméku fi ak yeen jërëjëf ñu ngi leen di jajjeufal bon courage et toutes nos félicitations à la communauté sénégalaise à la communauté de Foundiougne donc Khalifa nous allons toujours continuer dans d'autres salles pour essayer de voir ce qu'ils sont en train de faire merci tout Khalifa dañuy continuer rek duggu ci salle bi nga xamné mom mo nekk fi
ni suñu gannaaw dajé ak ndaw yi djém léna laaj ñom aussi ban sujet wala ban thème mom lañ nga xamné mom lañu choisir donc gis nañu né ñom ñu ngi tok di waxtaan donc dañuy tann kenn rek seen biir djém ci waxtaan ak mom assalamu alaykum soxna si yaangi en direct sur la RNTV votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal. Salam alaykoum señ bi nuy nañ la bu baakha baakha ba merci beaucoup tour bi ak sante bi ak fo joge Mariama Cissé la tuddu ma ngi joge Sélido Dakar merci Mariama Cissé ñu ñow fekk la fi nga xamné moy fuñuñ nga bayyi sa liggéey sa yitté sa lepp ñew fi ni nek en tant que père éducatrice lan ngay wax ñi nga xamné ñoy sa moromu ndawé ak lan moy solo ci li nga xamné moy bëss bi tay limay wax sama moromu ndaw yi moy kani ñu def le tout djema découvrir li nga xamantani moy rampas ak ñu def le tout aussi pour donner pay éducateur yombuna yombul té dafa don activité bo xamantani lu noble la le fait que ni nga joggé fi nga dëkk rien que pour nga ñëw dimbalé ñi nga xamantani xamuñ won lu bari nga xamal leen tek leen ci situation yo xamanteni ëlëk buñu gisé yenn affaire yi du leen jaaxal parce que yow déjà jox nga leen information bi nga xamanteni mo wa nga xamanteni ñu mëna éviter beaucoup de soj lolu dama yaakaar né action bu nobu na bép jeune bu nekk rek war nga mëna bayyi bép activité bo mënti nekk rek nga bayiko ñëw pour nga servir sa peuple parce que lolu dafa baax ci réew parce que ndaw ñu aussi dañu am bénn participation ci société bi région pour laquelle mo ñeu fi à Foundiougne pour participer ci activité bi xamal mi nga xamanteni ño xamutone lepp lo xamanteni warna ci bëss bi aussi man dina ko ci def ci li bo xamanteni bu lu mu mënta doon da dina ko ci joxe inshallah rabbi yaakaar na né inshallah Sophie Top borom soft power agency DTL business networking to me production yene ngi dëgg li nga xamné mom la ndaw yi di wax donc Sophie am nga liggéey power agency am ngeenu liggéey donc ndaw yi nenañu dañu wara wacc sur le terrain jëma conscientiser la jeunesse pour mettre len ci yoon bi nga xamné moy yoon bu gën bi bu sel bi sama xol dafa fess bu may wax ak yeen ndax buma fekke ay ndaw ñi wax kaddu yu melni ñuko daan faral di dëgg ci ay mag donc lolu day fess xol lol té nga xamné suñu ndaw jamono gi ni matna ñu bayyi yaakar ci ñom té gungé len parce que je fais partie de ceux qui disent souvent que notre jeunesse a du talent et du potentiel mais il mérite d'être soutenu tout mi production donc ñu lay ñaanal di la gëremat benen yoon bu baaxa baaxa baax di né lan ngay yeen conseil ngay jox ndaw yi merci beaucoup ndaw yi luma len di conseiller moy kané ñuy dem at xel baña dem at xol at doolé surtout parce que fi da ngay gis ndaw yo xamanteni da ngay di considérer comme des immatures mais yaakaar na rampes formé wu des immatures ñi fi nek téw fi ñëpp dañu am engagement bo xamanteni mom mo leen taxaju engagement yi lan la pour luy jëmele suñu réew kanam kon nak luy jëmele suñu réew kanam ñun ndaw yi ñun ñoko wara construire tan ndaw lepp lu mu construire dafa wara dëgër région pour laquelle fi ay ndaw kessé ñoo fi nek té ñun ñëpp boole nañ suñuy loxo pour Sénégal jëm sa kanam ndaw ñi na luma leen di conseiller moy kan ñu gëm seen bop xam lu ñu bëgg pour que ni seen objectif ëlëk ñu mën ko réaliser sans ñu baser wu ci état sans ñu baser wu ci qui que ce soit parce que képp ku nekk ci aduna lépp lo mëna am mën nga ko amal sa bop sans que ni nga baña wéru ci kenn ñu gëm suñu bop dem ak suñu xel ak suñu doole pour ñu mëna avancer jëm ci kanam merci beaucoup madame Cissé l'avenir de toute nation se repose sur sa jeunesse mais pas n'importe quelle jeunesse une jeunesse engagée motivée et bien éduquée néna len ndaw rek ndaw keur keur yi rek loolu la señ fallo waxone bonjour salam alaykoum ñu wëlbatiku ci benen ndaw jëmako tendre suñu micro salam alaykoum wa alaykoum salam ñu ngi leen di nuyu RNTV ñu ngi leen di gërëm bu baax ci li ngeen di def liggéey bi ngeen di def gis nañ ko machallah señ bi jërëjëf ñu bëggoon xam lan mooy solo su entrepreneuriat social ba ngeen nekk di def nii parce que lu am solo la lu am solo la moo waral la révolution numérique du Sénégal bàyyeekoo Dakar ba fii fu ñu ñëw appuyé leen pour wone solo su li nga xam ne moom ngeen nekk di def nii lan mooy solo si lan nga ci gën a mën a wax voilà d'abord je me présente je suis Baba Sao Gueye je viens de Kaffrine je suis étudiant yaakaar naa ni rampes muy réseau national des pères éducateurs du Sénégal li muy def solo sim am ñun ndaw ñi ci nekk xam nañ ko parce que boo jëlee ci Sénégal ñii jugee Kédougou ñi jugee Koungheul ñi jugee Kaffrine ñi jugee Saint Louis ñi jugee Dakar ñu dajaloo ci benn dëkk ngir sensibiliser seen jeune
ngir waxtaan ak ñom yé séni conscience pour ñu xamné ñun kat amna luñu war té ñun amna ben taxaway buñu wara am suñu dëkk yi kon yaaka na ni lolu amuñu ngeurmande bo xamanteni mom lañuy gëreum waye lolu aussi dañ ci gëreum bu baax le président Modou Mbacké bi nga xamanteni mom mo offre pour opportunité bi nga xamanteni ñew nañ fi ba Fundiouñ parce que dem nañ ci région yu bari yaaka na ni danaka région yi Sénégal yépp rempes wërna fa tay ñu ngi fi ci Fundiouñ di def lu am solo lo xamanteni ci kanam touti bëgn nañu genn sank da ngeen ñu fekk ñu def suñu réunion nek ak suñu superviseur muñuy wan nan lañuy suñu génné nan lañu wara waxtané ak population bi yan genre thème lañu wara waxtané ñu doon waxtané li nga xamné moy violation bay sur le genre ak affaireu grossesse précoce tay buñu añé ba paré dañu bëgg dugg ci population Fundiouñ bi waxtaan ak ñom wax leen li nga xamanteni moy solution yi nga xamanteni jafé yi nga xamanteni ndaw ñi ñu koy dund fi ci Douane Fundiouñ jërëjëf sëriñ bi néna mu ngi joggé bo Kaffrine di Ndoukoumane buñu tuddé Ndoukoumane dina ñëw nuyu di ziar ki nga xamné moy Baye Abdou Wilane yal nako yalla yërem xaré ko aljana ki nga xamné def na lu am solo ci ndaw yi donc ñu ngi koy ñaanal yalla yal nako yalla xaré aljana khalifa am bi fa né yal nako yalla woyofal yeen bi man ma ngi tuddu Bathie Ndiaye nek père éducateur nek ak aussi samay natango père éducateur ñu nek di def partage d'expérience ci li nga xamanteni moy ay atelier causerie yu ñuy préparer ci ay xétu ay violence ay mariage précoce ak ay mariage avant je pense que ni ci thème yoy lañ nekkon don ko traiter ku ci nek da ci joxe xalatam ak di ci wax nim ko comprendre ak buñu démé ci terrain bi nan lañ ko wara mëna waxé ak population bi pour message bi jall jeureujeuf seigne bi ndjay buñu comprendre bu baax yow avant nga dugg ci li nga xamné mo nek ci organisation bi ni amna li nga don def ba paré lan nga nekkon di def avant nga dugg fi wa man lima nekkon def moy animateur socio éducatif la en même temps entrepreneur la animateur socio éducatif moy ñi nga xamanteni seen liguey moy dañuy yëngu ci protection de l'enfant moy xalé yi nga xamanteni peut-être parfois dañuy ñak sens wala mu naka baña tuddé ñak sens sax mais dañuy manké ku len encadrer ñun dañuy ak suñu xam dañuy wacc di len encadrer ci durant vacances ak ci période bo xamanteni duñu nek ci école yi et tout lool moñi permettre tay ñune li ben opportunité la moy les pères éducateurs ak yenn organisation yi day gëna yombal suñu liguey loolu gëna yoko tax ñu dugg ci pour gën ci mëna am expérience ana lan nga xamné mom ngay wax li nga xamné ñoy say natango ñom ñoy say rak ak say dom ak say jërbat wa lima len di wax moy xam nga violence dafa bari façon da fay yaatu comme tay ben exemple rek la ci jël tay dañu waxtane li nga xamanteni moy van boko déggé moy violence abus négligence ak exploitation kat yoy non dafa nek yi nga xamanteni peut-être tay ñun ñëpp dañ koy vécu dañ koy dundu parfois sax nek dina ko dundu té duñu xamni mang koy dundu parfois nit dina ko def nit té du xamni mang ko koy def parfois ñun ci niñ togué ni rek mu na fay xew sax té duñu xamni sax peut-être amna ci wala amu ci donc yu melni occasion la pour ñu mën ko waxanté nga xamni képp ko xamanteni yang ko don dundu wala yang ko don dundu le sa morom di nga ko mëna xamni ah kon nek ma li ma don def ni mu ko won defé nekul won non la ko waron defé parce que parfois parent bi da koy dundu ak domam parfois dom bi sax da koy dundu ak parent kon donc ay féla yo xamanteni yu naturel la yu ñuy dundu la kon day bax suñu amay jotay yu melni ñukay mën di partager jërëjëf señ bi ñay RN TV mu ngi lay jaajeufal di la gëreum ci benen yoon ci li nga nangu waxñu solo aussi li nga xamne mom ngeen nek ni ni jërëjëf wa ñu ngi jaajeufal RN TV aussi bu baax ci li nga ñu may opportunité tamit ñu mëna wax tamit ci li nga xamanteni mom lañu waxale jërëjëf RN TV